Salut, c'est Roi-U, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Survie. Alors là, les gars, j'ai tout refait. J'aurais dû commencer par l'extérieur, donc vous avez vu déjà, j'ai fait pas mal de trucs. Donc voilà, le plongeoir, piscine et tout, ça a pas trop changé. Je devrais un petit peu casser ça, et là je laisse parce que c'est pour l'enclos de Gilbert. Donc voilà, la piscine ça a pas trop changé, et je suis trop excité. Donc ici, c'est le truc qu'on rajoute pour la vidéo d'aujourd'hui, vous voyez. Donc c'est une petite botte de foin parce que j'avais trouvé un village. Et du coup, bah, j'ai trouvé un max de bottes de foin, les gars. On est riche en pain, vraiment en pain. On est riche. Donc vous demandez sûrement pourquoi, mais pourquoi il n'y a pas de lumière? Pourquoi t'as pas mis de torche? Mais vous allez savoir ça après. Ah, il fait nuit, merde. Bah c'est pas grave, au pire j'ai une armure assez bien. Voilà. Donc mon armure, protection 1, protection 1, unbreaking 2, protection 1. Bon après je vais faire des fusions. Ça c'est ma couronne. Respiration 2, fire, protection 3, unbreaking 3. Ça c'est ma couronne. C'est ma couronne de roi d'ailleurs, je vais la mettre. Hop. Elle est à peine usée. Donc ici mon portail du Nether comme avant. Alors la mine je l'ai redesignée, on va aller la visiter. Donc déjà il y a des escaliers dans la mine. Donc voilà, elle est totalement redesignée. Bon, par contre, il y a un petit peu de la cobble et ça fait pas bien. Je devrais mettre de la stone normale. Regardez, donc c'est là. Et là, c'est des descentes dans les mines. Voilà, je vais en mettre d'autres après, mais là, c'est la première. Donc j'ai totalement creusé en dessous de mes pieds pour faire ça. J'avais très peur et à un moment, je suis tombé dans la lave. Bon, heureusement que j'ai une armure assez bien. Et donc là-bas, c'est par où je mine. Et là-bas, ce sera un autre couloir où je vais miner. Et peut-être que je vais miner tout droit pour gagner un maximum de place. Alors, donc, ensuite, dans ma mine, souvent quand j'entre dans ma mine, il y a des mobs qui tombent d'en haut, mais j'ai la flemme d'aller en haut, c'est trop loin. Ah non, je me suis trompé de sens, là. Par là, il y a un autre truc, là, qui descend dans ma mine d'obsidienne. Donc voilà, là, c'est ma mine d'obsidienne. Donc ici, il y a de l'eau. Ah, il y a du fer. Bon, en vrai, le fer, c'est pas ouf, j'ai pas trop besoin de le récupérer. Donc ici, il y a mon ancienne mine. Donc mon ancienne mine, elle était par là, là. Mais bon, je vais pas tout casser, je vais juste garder en souvenir. Bon, la pierre, enfin la cobble, j'ai dit, je devrais la remplacer par de la pierre. Là, c'est une autre mine avec des trucs assez intéressants dedans. Du coup, on remonte, je vais vous montrer ma maison. Enfin, ma maison, enfin oui, enfin l'intérieur, quoi. Donc, hop. Donc ici, on a le totem, comme je vous l'ai dit, il y a ça qui a été rajouté. Alors déjà... Pour la lumière, bon, là, j'ai pas réussi à faire un système de levier qui se situe genre là, parce que sinon, ça aurait fait un système de redstone tout autour de la maison hyper moche. Donc ici, j'ai mis un smoker et un blast furnace, parce qu'avant, il y avait deux fours. Donc, avant, il y avait des coffres dégueulasses, et j'ai mis un aquarium aussi. J'ai mis un aquarium avec des petits poissons. Avec des petits poissons, j'ai mis un aquarium avec des petits poissons. Donc d'abord, je vais vous montrer mon stuff. Bon, j'ai la masse de stuff. Or, oui, on en parle de cette canne à pêche de fou malade. J'ai eu de la chance, tout simplement. On en parle de cet arc moyen. Bon, dans outils, j'ai ça et j'ai ça. Après, j'ai ça. Après, L2, je vais fusionner quand elle sera à la moitié de sa vie. Ça donnera une FI2. Après, je vais user la FI2 là et la FI2 là. Et ça fera une FI3. Bon, d'ailleurs, je vais la mettre là. Ici, j'ai une canne à pêche Unbreaking 1. J'ai un M-Tag, ça c'est pas mal d'autres trucs que j'ai pêché. Ça je les ai craftés. Bloc, j'ai une TNT, mais ça je l'avais avant. J'ai des citrouilles. Armes et armures, ah oui. Putain, ça c'est exceptionnel. Protection 1, protection 1. Protection 1, protection 1, protection 1. Laser tunique, bon, Thorns. Or, cette enchante. Ça, je vais le fusionner avec enfin, je sais pas si on peut fusionner avec le plastron, mais si on peut fusionner avec un truc d'une autre matière, je vais direct le mettre, parce que Thorns, en gros, si vous savez pas ce que c'est quand quelqu'un vous frappe, enfin, quand un zombie vous frappe, et ben, il va prendre les dégâts qu'il vous a mis. C'est ouf. Donc ça, c'est un truc que j'ai récupéré sur les pigmen, parce que oui, je me suis attaqué aux pigmen, et j'ai pas fait exprès. Jean-Michel Con. Or oui, on en parle de cet arc assez puissant. Moi, en fait, j'arrête pas de crafter, enfin, j'arrête pas de pêcher des arcs puissants. Donc le trident que j'avais au début de mon aventure, alors que Michou, il a pris 6 heures pour en avoir un, oui. Diamond Sword Knockback 1. Elle, d'ailleurs, je vais l'échanger. Après, comme ça, je vais fusionner les deux. Donc la Iron Sword. Bow Power 2.
Donc un arc Power 2. Après, je les fusionnerai ensemble, ça fera Power 3. Après, je vais fusionner avec lui. Après, ça fera Power 4. Donc là, ça sera Power 5 Flame. Donc voilà. La bouffe. Alors la bouffe, voilà. C'est ce que j'ai trouvé dans le village. Alors, on peut dire qu'on est super riche en bouffe parce qu'on a 20... Enfin, super riche. On est assez bien en bouffe. 25 steaks, 11 poissons, 32 moutons. 10... ah bah ça, je vais le mettre. 33... putain, je sais même plus les noms en français. 64 pains. Une My Life is Potato. Une potato. Encore 5 pains. Ça, c'est tous les trucs... ah, les carottes aussi, ouais. Mais... les carottes dorées, c'est grave chaud à crafter. Donc ici, on allume la lumière au calme, tu vois. C'est... Mais là, j'ai galéré parce que je suis la pire mère du monde en redstone pour faire ça. Voilà, et ça allume même la lumière là. Et même, imaginons, j'ai pas envie d'allumer la lumière dans cette pièce, mais j'ai envie d'allumer la lumière dans cette pièce. Bah, pas de problème. C'était vraiment très, très dur à faire. Je suis vraiment la pire mère du monde en redstone. Donc ici, on a toutes les petites vachettes. Voilà, ça, ça n'a pas changé. Alors ensuite, ce stuff. Merde. Donc on a protection 1. Protection 2, unbreaking 2. Me demandez pas comment j'ai fait pour avoir ça. Unbreaking 2, protection 2. Bah, la même chose, quoi. Et les bottes, protection 1. Voilà, c'est un stuff assez raisonnable, je pense. Donc, ici, voilà, j'ai mis un maximum de bibliothèques. Voilà. Donc, oh là là, ça, c'est un truc que j'ai pêché avec Lock of the Sea 3. Ou putain, protection 3, efficiency 4. Ça, quand j'aurai une pioche FI 3, bah, je vais m'en faire une autre FI 3. Après, j'aurai une FI 4. Je vais la fusionner avec ça. Et après, j'aurai une FI 5 et je vais la mettre U3 aussi. Parce, et je ne vais pas l'utiliser tant que j'aurai pas U3 dessus. Parce que j'ai pas envie d'utiliser une pioche FI 5 et de la casser en 2-2. Donc ici, j'ai un petit alambic. Alors ici, c'est objet et objet rare. Donc voilà. Et ça, c'est mes objets rares. Donc moi, j'avais dit qu'à partir de 16 œil de l'End, j'allais aller dans. Enfin, j'allais au moins trouver le portail de l'End. Et aller dans. Enfin, trouver le Stormgold et aller dans l'End. Ensuite, j'ai un cœur de la mer que j'ai trouvé dans un coffre au trésor. Ensuite, j'ai fait des popos. Je me suis amusé à faire des popos. Parce que ça, j'ai pêché. Hein. Non, ça, j'ai pas. Ça, je l'ai trouvé dans un coffre. Je sais plus trop où. Ça, j'ai tué un mec. Enfin, un pillard, mais j'ai bu un seau de lait après. Ça, c'est du. Ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai mis un petit peu de fleurs là. L'enclume, ouais. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Ensuite. Le dernier truc qui a changé, c'est ça. Donc voilà, hop. Donc voilà, j'ai fait un petit sous-sol pour mettre toutes mes merdes. Donc ça, c'est totalement des trucs que je ne me servirai jamais. Mais jamais, tu vois. Genre, c'est l'endroit où je vais jamais aller. Parce qu'en plus, il faut mettre une bibli là, une là, une là, une là. Je les ai pas encore mises pour encore avoir un accès. Mais quand tu auras une bibli là et une là, je serai obligé de sauter sur le coffre pour y aller. D'ailleurs, avant ici, il y avait le. Comment ça s'appelle ça ? Stone Cutter. Avant ici, il y avait le Stone Cutter. Bah. Voilà, je l'ai enlevé pour pouvoir passer, mais je vais pas enlever le coffre des enchantements non plus. Ou alors, je vais le mettre à côté, je sais pas. Je sais pas si. Non, mais si je le mets là, en vrai, ça va cacher la bibliothèque là et la bibliothèque là. Et même la bibliothèque là. Du coup, ouais, je sais pas trop comment je vais faire. Mais comme vous voyez, j'ai déjà 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bibliothèques sur 30. Donc on est déjà à plus de la moitié. En plus, avant, il y avait 3 bibliothèques là. Et hier, j'ai farmé comme un gros ouf. Hier, j'ai pas miné. Mais j'ai farmé comme un gros ouf. Hier, j'en ai rajouté. Bah, du coup, j'en ai rajouté 15 en fait. Oui, je suis un gros malade, je farme beaucoup trop. On peut le dire. Enfin, hier au moment où je tourne cette vidéo. Hier au moment où je tourne cette vidéo, c'était samedi. Voilà. Donc c'était pas mardi quand même. Voilà, je farme pas des jours où j'ai cours, quoi. Parce que sinon. Sinon, ça veut dire que je sèche. Ou alors que je suis malade. Hop. Donc ouais, ici on a le blasphémé. Bah voilà, du coup, je crois que c'est tout.
Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo pour que vos amis voient comment j'ai avancé dans mon aventure survie, voilà, en hors cam. Et voilà. Du coup, c'était Rohu. Oh, tiens, bah, je nage dans ma piscine. C'était Rohu. Et ciao!